Bonjour à tous, c'est Poulpe, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la suite du challenge de la pauvreté à la richesse. Alors, Amako a quasiment fini sa nuit. On s'était arrêté quand elle avait atteint le niveau 3 de la compétence bricolage et elle avait déjà atteint le niveau 3 de la compétence logique. Donc, il reste deux niveaux de bricolage et 500 simshoes qu'on a largement pour pouvoir commencer à construire une maison. Alors c'est aussi la fête de l'hiver, elle va passer un Noël vraiment pourri je pense. Parce qu'elle n'a pas de maison, pas d'amis, enfin ça va être génial. Alors tu vas te réveiller s'il te plaît, et tu vas... t'as faim. Discuter avec des gens. Ah, il y a encore une star dans le coin, c'est ça? Il n'y a pas des gens sympathiques, je l'aime pas trop lui. Toi t'es qui? Tu portes bien ton nom de famille, donc. Hein. Bon, présente-toi. Alors, parler des rêves. Chanter une chanson de jour férié. Partager l'esprit de la fête de l'hiver. On va essayer de faire quelques trucs quand même. Parler de la température glaciale. Ah, t'as vraiment faim. Hein. Bah, parle à Katrina, j'aime bien. Peindre de la neige. Raconter une histoire drôle. Écrire la nouvelle idée. Allez hop hop hop. Qu'est-ce que tu fais sur l'ordi d'ailleurs? Il y a encore des stars. Ouais. Bon, tu vas devoir aller manger un petit truc. Qu'est-ce qu'ils vendent ici? Commander à manger. Tiens, du chili. Bah, ça coûte moins cher qu'au barbecue. Donc, puis ça fait moins de gaspillage. Donc, tu vas manger ça, s'il te plaît. Oula, toi, t'as pas froid dans cette tenue? Lily Feng. Tu donnes des cahiers. C'est pas trop le temps. Enfin, je sais que c'est la fête de l'hiver, mais. Quand même. T'es où? Tu vas manger. Qui est-ce donc que cette dame? J'aime bien cette coupe. Je fais n'importe quoi avec la souris. Oh, t'es mignonne. Présente-toi. Mais non, pas lui. Présente-toi à elle. Oh! Mais. Oh, c'est bon. Proposer un plan four. Rire en faisant haut. Mika, chanter une chanson de jour férié, partager des idées. Parler de la neige. Oh là, elle est pas contente. Je les ai passé mal. Ouvrir des cadeaux. Grand repas. Mais bah, tu vas pas pouvoir faire grand chose d'autre. Allez, continue de manger, s'il te plaît. T'es mignonne. Allez, tu vas aller aux toilettes faire un brin de nettoyage parce que y a encore les bugs des Sims qui se téléportent n'importe où. Et après, bah tu vas monter, tu vas essayer de monter le bricolage, n'est-ce pas? Alors, ouvrir, bricolage, voilà. C'est bon, t'es propre. Du coup, j'avais fait une partie où j'avais relooké tous les PNJ de base. Enfin, j'avais fait leur tenue d'été et tenue d'hiver. Sauf que là, j'ai voulu faire une partie neuve. Parce que en fait, c'est une base save que j'ai fait avec plein de créations pour changer les lieux communautaires. Parce que là, bah, je voulais utiliser une partie neuve, comme je disais. Et du coup, ils sont tous ringués n'importe comment. Pas terrible. Vladimir avec son chapeau, par exemple. Toi, ça va encore. Mais j'aurais pas donné ce look-là. Enfin, pour ta personnalité, je vais pas donner ça. 57% du bricolage jusqu'au niveau 4. Non, s'il te plaît, recommence pas. C'est énervant quand tu fais ça. Je sais que t'as fini de le lire, mais quand même, c'est énervant.
Ça y est, niveau 4. Très bien, on va aller au parc pour voir s'il n'y a pas des cailloux à casser. Il manque plus qu'un niveau. Non, on va éviter d'aller là, on va aller à Oasis Springs. Plus qu'un niveau, 500 Simflood. Et on pourra construire un semblant de maison. Alors, je vais éviter de faire de la peinture. Parce que ça rapporte énormément au bout d'un moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je vais n'importe quoi? Je vais pas au parc, je vais à la maison là. Fatiguée. Oui, donc je disais, je vais éviter de faire de la peinture parce que ça rapporte beaucoup d'argent au bout d'un moment et c'est pas ce que je veux. Et aussi parce que je veux qu'elle devienne une grande actrice et pour ça, il va falloir qu'elle devienne célèbre. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Sauf que la peinture fait aussi gagner des points de notoriété. Donc je veux éviter qu'elle devienne célèbre avant avec la peinture avant d'avoir recommencé sa carrière d'actrice, tout simplement. Voilà. C'est la nuit, je ne trouve rien. C'est génial. Alors. Ici, je sais qu'il y a des grenouilles. Et il n'y a pas de pierre. Alors, que m'as-tu trouvé? Ceci, combien ça vaut? Ouh, 180. 25. Ça, on va vendre. 30, une 100, 2,30. Je vais vendre les 2,30. Enfin, une 2,30. Et je vais faire se reproduire. Voilà, parfait. Ben, ça rapporte bien les deux creusets dans des cailloux. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nettoies la merde des autres? Allez, on va aux toilettes. Et après, ben, tu auras de redormir sur ce banc. Fabuleux. Jour férié, fête de l'hiver est terminée. C'est plutôt bien passé. Elle a fait qu'un truc. C'est plutôt bien passé. T'as gagné combien? Franchement, ça c'était censé être pourri. Ça s'est plutôt bien passé. Bon. Ok. Bon, bah si t'es contente, ça va. T'as rien fait de ta journée, mais c'est pas grave. Alors, tu vas te réveiller. Et on va voir s'il y a quelqu'un qui a fait à manger par hasard. Ce serait sympathique. Il n'y a pas l'air. Personne veut faire à manger. Bon bah tu vas griller des saucisses. C'est bon, fini, t'as fini ta nuit là. Les midi, s'il te plaît. Hop. Mange. Parle-lui si tu veux, mais mange. Ma journée, complimenter sincèrement, parler de la température fraîche, discuter des centres d'intérêt. Non, je veux pas rejoindre les modèles, ça va 2 minutes. C'est vraiment le groupe sans intérêt par excellence. Hein. Vraiment, ils essayent des tenues, ils à peu près tout, et ils boivent du café. Waouh! Hop, t'es un petit peu bavardé. Et on va voir s'il y a des cailloux à casser. Alors on se retrouve à la bibliothèque parce que j'ai essayé de faire creuser quelques cailloux. Alors les premiers ça marchait. Puis elle continuait à être complètement figée. Et elle ne faisait rien. Elle est restée figée. J'étais obligée de faire reset Sims. Et c'était pas pratique. Donc je ne sais pas si c'est un bug sur le coup. Ou s'il va falloir que je redémarre mon jeu. Donc dans le doute. J'ai décidé d'aller à la bibliothèque. Pour qu'elle continue d'apprendre le bricolage. Mais c'est génial. On va voir si ici avec toute la neige. Ça va être très pratique. On va voir si ça marche. Ici. C'est magnifique en tout cas. Des poires. Bon. Je vais voir si ça marche, mais en fait elle restait complètement figée et elle terminait pas son action. Ah, il neige. Est-ce que là ça marche? Il y en a un qui marche et ma vitesse x3 elle est là, ça marche. Bon, ah ça y est, tu n'apprends plus rien avec le
livre de bricolage. Donc on va aller t'en acheter un. Où est-ce que je peux acheter un livre? C'est la question. Je sais plus commander. Acheter des livres, voilà. Compétences. Bricolage volume 2, 150. Mais au moins, on n'est plus obligé d'aller derrière les bibliothèques. Tu vas aller ici. Et on va vendre tout ça. Donc je vends les capsules parce que parfois ça vaut plus, parfois ça vaut moins, mais je préfère les vendre. Ça rapporte plus. Ça c'est quoi? 30, on va vendre. 100, on vend pas. 10, on vend. 25. Bon, merde. Mince, le fossé s'est cassé. Ça, on vend. Pièces d'amélioration. Je vais peut-être les garder pour plus tard. On commence à avoir pas mal d'argent. Donc... T'as faim. Ah oui. Tu vas acheter un chili. Voilà. Et puis après, on va essayer de te faire dormir pour que tu reprennes un rythme à peu près normal. Parce que là, tu te réveilles à midi, tu te couches à 3h du mat. C'est pas terrible tout ça. Alors, tu iras dormir. Alors voilà, Amako se réveille. Donc, je lui ai programmé quelques actions. Et le but là, c'est d'atteindre le niveau 5 de la compétence bricolage. Donc, tu as ton propre livre maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu nous fais? Va t'asseoir et va lire, s'il te plaît. Il manque que ça. Donc, on a tout un point. À moins qu'on améliore ici des choses. On va essayer de faire ça. On va essayer, au lieu de lire, d'améliorer les objets autour de nous. Peut-être que ça ira plus vite. Si des choses pouvaient se casser, ce serait très bien aussi. Franchement, je dis pas non. Allez, améliore ce robinet là aussi. Enfin, c'est ce. J'aimerais bien qu'elle soit concentrée. Donc pour ça, il faudrait réfléchir à une stratégie. Bah oui, ce que je faisais était pas nul. Donc elle va réfléchir à une stratégie. J'espère que ça va marcher. Pourquoi t'es pas contente? Ah oui, le bricolage est nul. Non, ça n'a rien fait. Réfléchir à une stratégie. Allez. Et après, tu liras ton bouquin. Voilà, c'est bon. T'es concentré, maintenant tu peux lire ton bouquin. En espérant que ça ira un peu plus vite. Ouais, les améliorations, ça a quand même vraiment fait augmenter la barre. Plus que le livre, en tout cas. Donc c'est pas trop mal. Allez, on a bientôt terminé, Amako. Tu vas bientôt pouvoir construire ta maison, même si t'as pas énormément d'argent. Allez, un dernier petit effort. Non, on s'en fiche. Voilà, c'est bien. Bon, ben on va retourner à la maison. On retourne à la maison et on enlève les 500 simflouz qu'on doit donner à la ville pour nuisance sonore. Voilà. 1385. Voilà, moins 500. Et on va pouvoir construire un semblant de truc. Et voilà le résultat de sa mini maison. On n'a plus beaucoup d'argent, mais oui, on n'a même pas pu meubler ne serait-ce qu'un truc. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Le prochain épisode, bah, ça va être de gagner de l'argent pour améliorer la maison. Et pour pouvoir construire un jardin, du coup. Et pour ça, il faut être de niveau 7 de la compétence bricolage et niveau 5 de la compétence jardinage. Donc ça va être très long. Voilà. Alors on peut obtenir un emploi avant d'avoir construit le jardin, apparemment, d'après les règles. Donc on verra ça, mais avant on doit avoir quand même
un minimum d'objets dans notre maison. Alors voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!